commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. À tous les ébouriffés, dissidents, rois l'hirsutes, pour que les privilèges ne font que l'art passer sous le nez. Démocratie moyenne, qu'on nous rabat chaque coup de matraque. Regarde le macadam, toujours autant couvert de rouge et écarlate. Un projet de pérennisation érigé par des démagogues. Une rafle du peuple par les pantins de l'ordre mondial. Il s'évertue encore une fois à nous faire porter la faute. Mais on emmerde nos injonctions, on décide d'être immoral. Ah, tous dans la ligne de mire du côté obscur, qui veut te faire des codes instruits par notre nouvelle dictature. Mais aussi un culte ignorant bâtard, tant de gentiments pour désigner réels acteurs de ce foutoir. On partage la connaissance alors qu'il propage la confusion. Des lobbies pour le bien du peuple, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Les dealers de bonne idée, le Jacques de Jacques de le fond de Jacques. Et pour une poignée de dollars se voit contraint couper le monde de toute son humanité. Les fervents, les futurs leaders de ce monde. Oups, 2000 drones, un mégalo à replacer l'Iran sous les bombes. Ils veulent protéger nos enfants en mettant un point d'honneur à ce qu'ils deviennent des cerveaux. Dans le neurone, comme un étau, une vie sans fin qui tourne. L'hypnose collective, tous pervertis par les urnes. Un adulte créatif est un ancien gosse qui a survécu. On évite les esprits subversifs en servant de la désinformation menue. L'enfant laisse à l'essence du temps, il n'en a plus. Dans un pays où les idiots sont les rois, nos libertés, elles se meurent en toute sécurité. Est-ce un oiseau dans le ciel qu'on voit là? On en fait ses gestes pour garder ma mise sur nous autres débraillés, accablés par le fait de devoir tous les jours être en cavale. Il y en a cavale, les sornettes sorties de la bouche de ces rapaces. Plutôt crever que de laisser libre cours à l'omerta. Plutôt crever que de laisser libre cours à l'omerta. Plutôt crever. Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. Causecommune.fm. Alors nous aussi, chez Cause Commune, on a décidé qu'on allait continuer à avancer à marche forcée, n'est-ce pas, Patrick? On n'a pas le choix, je pense qu'effectivement c'est ça, ou comme dit la chanson, on n'a plus qu'à se faire sauter. Voilà, on est coincé entre le suicide et la lutte. Je pense que le monde ordinaire n'existe plus aujourd'hui.
Bon, ok. Non, ça me fait rire parce que la bonne tendance aujourd'hui. Alors tu prends pas régulièrement le métro, Patrick, mais c'est les bonnes nouvelles et on a en ce moment là tout un tas de d'écrans. On s'interrogera plus tard évidemment sur l'empreinte carbone de ces pubs qui ne nous annoncent que des bonnes nouvelles. C'est le média positif et donc t'as des petites vidéos à la con, voilà. Voilà, ça me fait penser à ça. Je le mets en parallèle avec ce que tu venais de nous dire, qui n'était pas forcément teinté d'un grand espoir. Mais heureusement, Métrobus pense à nous. Mais tu fais la transition d'ailleurs de la RATP. Ouais. Bah, tu fais la transition parce que justement la dynamique de positivité, elle est justement proposée. Très très brillamment par Francis Lepage qui nous montre comment le discours Franck Lepage. Ouais, mais on a toujours autant de problèmes avec les... Ah, Francis, c'était ton pote d'enfance. Écoute, on est ravis. On est absolument ravis de l'apprendre. Bah écoute, la transition était faite, donc on va s'écouter Lepage et puis on revient juste après, s'il veut bien démarrer. Ah bah oui, non, c'est moi qui fais de la merde. Je recommence. Hop. La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettait de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement et qu'on ne les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre, sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité? Vous êtes contre la qualité, vous? Hein, démarche qualité, c'est des gens qui se suicident hein, aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, puisque c'est pas une démarche qualité, c'est une démarche productivité, bien sûr. Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes, contre l'autonomie des universités, tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs extraordinairement oppressives? Comment on se bat contre l'excellence? Comment on se bat? Voilà. Eh ben, on sait pas. On sait pas, et donc les syndicats sont complètement coincés dans des effets de langage. Hein, quand un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi, eh ben, allez vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat. Et merci Franck Lepage et merci Jean-Philippe qui du coup valide Patrick ta définition du prompt ou en tout cas ton association du prompt à un ciment puisqu'il nous dit que c'est pas mal cette image du prompt comme ciment entre l'homme et la machine. Merci Patrick. Voilà. Alors pourquoi il est important ce petit passage là 1 minute 18 de Franck Lepage qu'on connaît notamment comme créateur, inventeur, imaginateur, on va dire ça comme ça des conférences gesticulées. Pourquoi c'est important? Je pense que tu as une petite idée quand même. Ah bah oui, moi j'ai une petite idée, mais tu sais qu'on fait cette émission pour celles et ceux qui nous écoutent, Patrick. Oui, vas-y, commence toi, vas-y, dégaine. Dégaine. En fait, ce qui est assez perturbant avec ce genre de petits passages, et il y a des heures et des heures hein, sur YouTube de Lepage, c'est que en fait, ce qu'il nous dit est d'une excellente accessibilité, c'est-à-dire que c'est donné à toutes et toutes de simplement à un moment se poser, de considérer les termes du capitalisme aujourd'hui pour masquer la réalité violente dans laquelle il se déploie et surtout par laquelle il se déploie et de se dire mais oui là on nous prend quand même pour des cons le plan de sauvegarde de l'emploi, on sait tous que ce sont des plans de licenciement massifs, la démarche qualité, alors on peut aller écouter le 131 des mondes rêvés de Georges qui concerne le premier volet de deux émissions sur le bouquin La valeur du service public où on détaille au début précisément en quoi chez France Télécom notamment ou plutôt à La Poste ce que veut dire la démarche qualité, en fait c'est la précarisation de celles et ceux qui sont les petites mains de la production de ce service public et oui il le dit c'est franc
transparent, c'est clair. La démarche qualité, c'est une démarche de productivité. Donc en fait, moi, je suis toujours un peu éberlué par le fait que on se sent tous, et tu l'as introduit toi-même, dans une merde absolue dans laquelle on ne trouve pas d'issue, alors que les solutions semblent assez simples. Et la première, c'est juste de s'écouter quand on reçoit une information. Alors oui, on nous parle de plan de sauvegarde de l'emploi. Si tout le monde se disait, ben non, en fait, c'est pas un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan massif de licenciement, forcément, on imagine derrière ces implications et on pense le monde différemment. Donc voilà, les solutions, elles sont hyper accessibles à toutes et toutes. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études ou voilà, pour simplement approcher cette réalité des termes. Et on le fait pas, voilà. Et c'est de manière collective et massive, j'entends. Et c'est ça qui est perturbant, en fait. Donc voilà, t'as raison, voilà, ouais, en quoi c'est important. Juste, ça te rappelle à quel point t'as pas besoin d'avoir une bibliothèque fournie en anthropologie, sociologie et histoire. Juste, tu es au monde dans lequel tu vis, tu écoutes ce qu'on te dit et tu prends le tu t'écoutes, en fait. Tu te dis, bah oui, là non, ça ne va pas. Et si tout le monde se dit à un moment, là ça ne va pas, forcément les mouvements de protestation pourraient devenir collectifs et vertueux. En même temps, ça me fait penser à une discussion que j'avais avec Philippe Corcuff et les libertaires un jour. Je leur disais, mais pourquoi dans votre réflexion, vous ne parlez jamais des sous-prolétaires et vous parlez toujours que du prolétariat? Et il me disait, parce que le prolétariat, lui, il est dans la machine d'exploitation et il est dans un front de classe. Donc en fait, il se retrouvait très proche de Hello, en fait, qui disait, bah, la vérité sort de l'usine, la vérité sort du conflit de classe. C'est là qu'on a la prise de conscience de ce que c'est que l'exploitation. Et donc forcément, eh bien, il y a de lucidité, une clairvoyance, etc. Et j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais alors des ouvriers qui votent extrême droite, ou de tous ceux qui sont des collabos, des zones grises, des chiens de garde, qui ne pensent qu'à devenir chef d'équipe et qui ne pensent qu'à être jaune et à continuer à bosser? Vous savez très bien que la classe ouvrière est divisée et il y en a qui rêvent, et c'était le bouquin aussi de Beau et de Pialoux, de montrer dans leur bouquin que notamment les fils des parents notamment immigrés qui avaient vachement espéré que leurs gamins soient pas ouvriers comme eux et qui les ont poussés à faire des études, et se retrouvent avec des licences ou des maîtrises, mais malgré tout ils se retrouvent quand même à l'usine, parce que avec la ségrégation en plus du fait qu'on a des assignats universitaires qui servent à rien par rapport aux grandes écoles, ben les mômes, ils se sont quand même retrouvés à l'usine avec 1000 fois plus de frustration, puisque bien sûr, ils avaient un diplôme, mais ils espéraient aussi sortir de la condition ouvrière. Et donc le débat, ça me fait aussi penser à ça, tu sais, entre prise de conscience, effectivement, aveuglante, pour combien de centaines de milliers et de millions de gens qui disent, ben oui, je suis bien exploité, oui, j'ai bien un patron en face de moi, et ça rejoint ce que tu dis sur une éducation populaire qui est chevillée à la réalité pratique de la vie, c'est-à-dire prendre le métro, le RER, aller à l'usine, etc. Et puis de l'autre côté, il y a aussi dans la pensée critique, la pensée de l'aliénation. Et je pense que c'est ça la complexité, c'est comment sortir du bidochon, comment sortir du beauf, comment sortir de l'aliéné, comment sortir du jaune. Et justement, Franck Lepage nous aide, nous donne un des leviers, en fait, pour nous dire, bon ben voilà, commencer chaque matin déjà par peut-être avoir une vision méfiante de tout ce qui est beau. Méfiez-vous de tous ceux qui vous annoncent, par exemple, les animateurs de radio qui sont toujours pleins de bonne humeur le matin pour nous dire « Allez, aujourd'hui, il est 8 heures, eh bien, on se réveille, il est 7 heures. » En fait, ce sont des incitations à aller travailler, ce sont des incitations à dire « Fais pas la gueule, sois heureux, le monde est beau. » Je sais qu'on parle beaucoup de Bourdieu, etc., mais Bourdieu les appelait les entraîneurs. Il disait, voilà, ils nous entraînent, en fait, dès le matin, avec leur bonne humeur de merde, à nous dire, allez au boulot, allez bosser, allez prendre ce métro de merde qui est toujours en panne et ce RER qu'on finit pas de jamais arriver. Et c'est ces gens-là, je pense, que Lepage peut viser. Et moi, je dirais, bah, ok, mais en même temps, le culturalisme de Lepage, je pense qu'il ne, il ne, il,
il se bonifie aussi quand tu fais aussi du structuralisme, c'est-à-dire quand tu mets en perspective l'intention que les dominants ont de te de t'assigner au beau, à la bonne humeur, avec effectivement tout ce que tu viens de rappeler sur les démarches qualité, sur la pseudo-autonomie des universités, sur toujours des mots d'excellence, de beauté, etc. Quand les dominants parlent effectivement de ce qu'ils font, c'est toujours beau. Et de l'autre côté, quand ils parlent des dominés, c'est toujours mal. Les pauvres sont toujours des feignants, des assistés. Et je regardais hier à la télé... Oui, d'ailleurs, regarde Macron, la dernière sortie de Macron dans la montagne, je crois. Et c'est le titre de la une. Le smicard préfère se prendre un abonnement VOD que de bien bouffer. Ouais. Ça, c'est Macron, quoi. Et ça illustre exactement ce que tu viens de dire. Ouais, c'est caricatural et c'est tout le rôle des faits divers aussi de par exemple les milliards d'émissions qu'il y a à la télé sur la police ou la gendarmerie dans les petites villes de France partout affrontées aux sécuritaires aux jeunes bourrés qui sortent des bars et qui se bagarrent partout les cités bien sûr avec les planques pour choper le cannabis et les drogues par les dealers et bien sûr la diabolisation absolue, notamment le film hier sur la bande à Bader et la fraction armée rouge, qui est le summum de ce que la bourgeoisie bontain de Arte est capable de faire en diffusant ce film pourri sur la bande à Bader. Alors certes, qui nous montre en arrière-plan un certain nombre de saloperies du capitalisme, avec notamment ça commence par une manifestation contre le Shah d'Iran, dont on sait qu'il a eu des milliards, comme tous les tyrans. Et donc, tu as une manif anti-Shah, et là, tu vois, d'un seul coup, une répression féroce des étudiants allemands, avec beaucoup de... Un étudiant sera d'ailleurs tué. Et donc, on voit la montée en puissance, certes, dans une base d'un État allemand, répressif, etc. Et on voit le fait qu'il y a la guerre contre le Vietnam, et tout le monde est d'accord. Tout le monde sait aujourd'hui que la guerre du Vietnam, c'était effectivement une guerre impérialiste aussi dégueulasse et pourrie que ce que font en ce moment l'État d'Israël sur les Palestiniens. C'est de même type, hein, bombardement des civils. C'est aussi pourquoi les Américains sont... Pour moi, pas du tout une démocratie, mais un État libéral, fasciste, mais qui, voilà, bref, on peut en discuter à volonté sur ça. Mais et donc, du coup, ils ont toujours été dans de l'ultra-violence, qui pour eux, voilà. Et donc, du coup, la bande à Bader, rien ne permet de les rendre sympathiques, parce que dans le film, le leader Bader est perçu comme un fou, absolument incontrôlable, même quand il est... Alors justement, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que je me demande pourquoi ils ont mis ce film sur la bande à Bader, et après, on voit à un moment donné toute l'équipe partir dans les camps d'entraînement de l'OLP. Alors, je sais pas s'ils sont en Égypte ou au Liban, j'en sais rien, mais en tout cas, on les voit s'entraîner. Et le type est tellement, entre guillemets, hystérique. Il arrive avec des filles qui ont les seins nus, etc. Et donc, du coup, bah, les Arabes musulmans sont un peu scandalisés, même si ça se passe dans les années 70, qui était beaucoup plus libéral. Et donc, du coup, le chef de l'OLP, à un moment donné, n'en peut plus et dit à Bader de se barrer avec sa bande. Et voilà. Donc, du coup, ça nous troque un personnage absolument monstrueux, diabolique. Et je pense que la mise en perspective de Lepage, elle m'enseigne ça, en fait. C'est toujours la beauté du Conseil des ministres, ordonnée, ils sont beaux, ils ont des dossiers sous la main, ils sont calmes. Comme disait Macron ce matin, non, pas la violence des agriculteurs, mais le dialogue, hein, le dialogue, évidemment, la raison. Nous sommes du côté de la raison, de la sagesse. Et puis, l'autre côté, il y a les fous, quoi. Les fous, le dominé qu'on peut plus, bah, c'est un fou. Donc, il nous fait peur. Et il faut absolument que les médias montrent qu'il nous fait peur et qu'il est lui-même l'incarnation de l'incontrôlable et de la marge de la démocratie. Et justement, eux, par le mandat représentatif, c'est le dialogue, c'est tout ce qui... est apaisé et c'est cette vulgate idéologique qui est en résonance avec Lepage, je trouve, tandis que tous nous autres, nous sommes que des gens qui sont effectivement mauvais payeurs, sales et toujours dans le devoir de prouver qu'on a le droit d'exister, parce que en fait le pauvre doit prouver qu'il a le droit d'exister
Et c'est toujours la même chose avec les femmes, qui doivent faire deux fois plus de preuves dans leur travail que les hommes, et le sortant de prison qui n'en finirait pas de prouver qu'il peut se réinsérer alors qu'on lui en donne jamais les moyens. Voilà. Donc le page, je trouve que c'est hyper important de décortiquer les mots et de voir ce qu'il y a derrière, mais en même temps, derrière ça, il faut voir que il y a automatiquement la logique, on va dire, d'Elias, hein, logique de l'exclusion, c'est-à-dire la disqualification, la stigmatisation des dominés, quoi. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant de faire ce travail en permanence, et voilà, je trouve que c'est ce qu'on essaye de faire. Modestement, ouais. Et alors, justement, ce que je trouve drôle dans ce, si jamais on met en application aussi ça, c'est que il y a des conditions sociales d'application de ce langage-là. C'est-à-dire qu'il faut que les dominants, pour qu'ils aient la possibilité de nous infliger leur vulgate idéologique, il faut qu'ils soient protégés. Donc, ils sont protégés quand ils sont dans les médias, parce que, par exemple, en mai 68, la seule chose que les étudiants gauchistes voulaient casser, c'était l'ORTF, c'était d'aller dans les quartiers riches. Bien sûr, les médias dominants sont cachés dans les quartiers riches. Ils sont dans le 16e, dans le 8e. Et donc, on change de monde quand on va dans les médias dominants. Donc, ils sont cachés là où sont les bourgeois. Hein. Les médias sont jamais dans les quartiers populaires. Et Cause Commune est dans le 18e. Voilà, c'est la différence. Et c'est pas Radio France à côté du 16e arrondissement et de la Tour Eiffel. Et donc, France Télévisions, ça permet à un homme politique d'y aller en toute sécurité, en taxi ou même on peut même prendre le métro sans se faire agresser. Et ou alors c'est dans des bâtiments ultra protégés. D'ailleurs, pendant le salon de l'agriculture, on a vu, hein, pour recréer une zone de protection, ben on fait venir les CRS, on fait venir les gendarmes mobiles. Et là, dans un espace dangereux, on recrée une zone de sécurité où les agriculteurs pourront faire ce qu'ils veulent. Ils pourront jamais atteindre le corps physique du président de la République. Donc c'est dans ces zones-là que ces gens-là. Et donc le débat avorté de Macron m'a fait beaucoup rire. Parce que du coup, cette ordure de bourgeois Rousseau, dont on écoutera dans quelques instants la bande son du Canard Réfractaire, et qui retrace très bien le profil social de ce riche capitaliste qui adore l'Europe parce qu'il en reçoit les subventions, et il adore l'Europe parce que de toute façon il fait partie de ce monde-là. Eh bien, ce qui était très drôle, c'est que il n'a pas voulu, parce qu'il n'a pas voulu faire le débat que Macron proposait. Parce que justement, il n'était pas dans ses zones de confort. Parce que justement, il n'était pas protégé par une caméra de télévision, comme il a été voir la journaliste là, 8h du matin, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, qui est la cousine de Attal et qui fait sur la télé tous les matins. Ça m'échappe. Et donc, lui, il peut se présenter là. Il peut aller là, mais par contre, quand Macron a dit, après, bien sûr, rétropédalage, que les soulèvements de la terre, finalement, il n'était pas question qu'ils soient invités, mais au départ, il était question qu'ils soient invités. Et là, il est plus en zone de confort. Il est mis en danger parce que forcément, les soulèvements de la terre, c'est des intellos. Et forcément, comme ils ont beaucoup dans le cerveau, ils allaient lui dire qui il est lui. Ils allaient lui donner des chiffres précis par rapport à ce qu'il fait avec sa FNSEA et sa politique de production des suicides d'agriculteurs. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, le dominant a refusé le débat, qui soi-disant est le débat des bourgeois, c'est-à-dire le débat démocratique. Eh bien, ce débat démocratique, en fait, il n'existe pas, parce qu'il n'existe que quand il n'y a pas de débat. Il n'existe que quand ils sont entre eux, quand ils sont sur les plateaux de télé entre eux, et que du coup, ils savent qu'il n'y aura pas de conflit, ils savent qu'il n'y aura pas de gueux, qu'il n'y aura pas de dangereux, des classes dangereuses, et de bouleversements par des gens critiques qui ont des armes, qui ont les armes de la critique. Voilà, donc pour moi, le renoncement au débat d'Arnaud Rousseau, il dit tout le fonctionnement du système dans son repli, dans ses caches, dans ses niches, dans ses ghettos. Et voilà, et ça révèle cette insupportabilité qu'on peut ressentir à l'égard des dominants, qui en fait, et c'est un peu la même chose avec Israël, si on leur enlevait les armes des États-Unis et de la France, et peut-être même de l'Allemagne et de la Hollande et de combien d'autres pays, eh bien ils sont nus. Comme disait Brecht, on enlève le manteau du cardinal et en fait ils font quoi? Ils brassent du sable, les Israéliens, ils s'amusent avec leurs oranges. Mais là on rigolerait beaucoup plus si jamais il n'y avait plus les armements. Ils arrêteraient de faire les kékés
et Netanyahou se prendrait une balle de sniper dans la tête et on aurait vite réglé la question. Donc voilà, la question est toujours la protection des dominants. C'est la question aussi qui était posée à travers, je pense, le débat refuseux de Rousseau qui peut continuer à baver sur les médias autant qu'il veut. Mais je pense que les réseaux, malgré tout, sont de nature à ce que les gens maintenant aient l'information sur sa fortune et dont on a voilà cette précision avec le canard réfractaire qui nous donne quelques billes supplémentaires sur le réseau, le maillage des entreprises que ce type contrôle. Regardez ce type-là, c'est le président de la FNSEA. C'est ce type-là qui représente les agriculteurs dans les réunions secrètes avec le gouvernement. C'est ce type-là qui échange des SMS avec le ministre dans votre dos. Ce type-là qui vous donne des consignes à vous sur votre mouvement, vos actions et vos revendications. Ce type-là, il s'appelle Arnaud Rousseau et ce n'est pas un agriculteur. Il est le dirigeant d'une quinzaine de grosses entreprises. La multinationale Avril, par exemple, dans l'agrobusiness, qui a fait 9 milliards de chiffres d'affaires en augmentant sa marge d'enfoiré en pleine inflation, donc sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Il est le directeur de biogaz de Multia qui fait pousser partout des méthaniseurs stupides subventionnés à balles par le pouvoir public. Il est administrateur de Cepol, le leader français de la transformation en huile végétale. Il est le président de Sophie Prétol, une société financière qui endette les agriculteurs. Le type, il a fait une école de commerce. Il a commencé l'agriculture avec de la spéculation financière. Et évidemment, pour s'arranger les petits contrats comme il faut, il est aussi le maire de sa commune en Seine-et-Marne et vice-président de son agglomération. Mais c'est pas tout parce que ce type-là est aussi le propriétaire de 700 putains d'hectares de céréales. Et il en a besoin de ces 700 hectares hein, pour faire de belles photos, pour nous faire croire que c'est un agriculteur. Ouais. Ah, c'est fort, hein. Moi, voilà, c'est des bonnes investigations. Précise. Oui, avec des infos qui sont totalement publiques, ça on le sait depuis le début. Le problème, c'est toujours qu'est-ce qui est restitué par les médias de masse quand ils décrivent les phénomènes et les informations, c'est-à-dire que à aucun moment juste cette information de Rousseau n'est pas agriculteur n'a servi d'introduction à un sujet sur France Info concernant il y a quelques semaines le mouvement des agriculteurs. Enfin, tu vois, c'est ça qui est assez fascinant. Et on revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport à Lepage. Alors, j'entends évidemment la critique que tu faisais à la naïveté à laquelle dans laquelle je me complaisais en disant finalement tout est là, machin. Bah là, Rousseau, c'est pareil, quoi. Tout le monde sait que ce mec est un millionnaire. Et qu'il est pas agriculteur. Et pourtant, quand t'écoutes les médias policés et le récit qu'ils font des événements, cette information, elle est pas délivrée. Mais voilà. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'être grand journaliste d'investigation pour savoir d'où vient Aurélien Rousseau, en fait. Oui. La question. Enfin, il y a toujours plein de questions qui viennent en fait. La première, c'est comment relier toutes les informations concernant sa biographie et le sens que ça peut avoir au niveau politique. Le fait qu'il dirige agro-business avec Avril, par exemple, ça suppose de savoir aussi comment se positionne cette entreprise dans ce maillage global avec son biogaz, là, son méthaniseur, et de voir c'est quoi le sens de tout ça. Où est-ce que ces types-là mettent leurs billes de telle sorte qu'en fait, ils ficellent le jeu dans lequel tu peux pas sortir. Parce que la question que je me posais à la base, c'est qu'est-ce qui fait que les agriculteurs sont tenus par la FNSEA ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dépendants ou pas ? Enfin, c'est toujours le côté bidochon de l'aliénation. Et donc, déjà, par rapport à sa biographie, on peut s'interroger et se dire, voilà, il faut qu'on fasse un travail complémentaire pour se dire, il n'est pas que dans une entreprise parmi d'autres, il est sans doute, avec d'autres de la FNSEA, dans une configuration, dans un maillage qui fait qu'il tient en fait le système. Il tient le système agricole capitaliste.
Bien sûr, les engrais chimiques. Hein, on sait que Monsanto a prostitué la quasi-totalité des paysans du monde, notamment en Inde, parce que les semences, c'était le mot que je trouvais pas la dernière fois, sont maintenant artificielles et ne sont plus produites par le paysan lui-même, mais sont données par Monsanto. Donc, c'est pas n'importe quel positionnement. Monsanto n'est pas que une multinationale de l'agriculture, c'est une multinationale qui crée de l'impérialisme, qui crée de la dépendance et qui empêche en fait l'indépendance du paysan et qui le fidélise et qui va créer de la dette et donc qui va créer du suicide. Et c'est le cas effectivement de milliers de paysans indiens depuis que Monsanto les contrôle. Donc c'est ça qui serait intéressant de savoir, c'est rentrer dans le ventre du monstre pour se dire voilà, quelle place il occupe. Ok, il a fait une école de commerce, et lui dans sa petite tête, finalement au bout du compte, il est devenu président de la FNSEA. Donc il a eu un parcours qui fait que par les différents réseaux qu'il a, les différentes positions qu'il a, il a pu amasser suffisamment de d'interdépendance, de mise en dépendance des autres pour qu'on le mette à cette tête-là, parce que effectivement il est celui qui représente relativement bien une manière de tenir ce système où il récupère 80% des subventions de l'Europe, il fait tenir les gros et les petits n'ont qu'à suivre. Mais se pose alors la deuxième question, une fois qu'on sait qu'ils tiennent le système et qu'ils ils sont capables de rafler toute la mise quelque part, hein, comme s'ils étaient des meilleurs joueurs du poker, de l'autre côté il reste à expliquer l'emprise de la domination de la FNSEA parmi les agriculteurs. Qu'est-ce qui fait que chez les petits, indépendamment du fait que lui, en tant que grand, il a pu s'installer comme grand, et que les autres le reconnaissent un peu comme des seigneurs reconnaissent le grand seigneur, le duché de Bourgogne ou finalement le roi de France. Hein, les petits suzerains sont obligés de se mettre à quatre pattes devant le plus grand qu'eux. Donc ça, ok, il est dans la bourgeoisie, un grand, et il a pu s'installer grâce à sa stratégie, sa diplomatie et à sa démarche qualité, si jamais on veut reprendre les mots de Lepage. Et maintenant, c'est ça la question, parce que les petits pourraient se dire, mais ce mec-là, il fait pas partie de notre monde. Et il est celui qui nous opprime, il est celui qui nous exploite, et c'est pourtant bien le réel. Alors qu'est-ce qui fait que les agriculteurs sont aliénés, les petits agriculteurs? Alors déjà, un, ils le sont pas tous, puisque beaucoup sont à la Confédération paysanne, ou hélas, à la coordination rurale, qui est plutôt FN. Mais voilà, il y a aussi cet oxygène-là. Mais deuxièmement, et ça c'est la thèse d'Alexandre Obeka qui est citée dans Contretemps, et qui est intitulé dans Contretemps « Comment expliquer la domination de la FNSEA parmi les agriculteurs ?» et qui nous apporte un petit peu quelques billes pour comprendre en fait cette question de la dépendance. Et en fait, on apprend déjà que la FNSEA, au départ, était un parti, un mouvement d'éleveurs fragiles financièrement, et qui est devenu finalement contrôlé par les grands céréaliers. Donc déjà, il y a tout ce processus historique qu'il faudrait revoir dans le détail, la mainmise. Mais c'est un peu ce qu'on disait à l'instant, c'est la capacité des grands à contrôler le système. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent aussi à piloter de manière plus générale pratiquement l'ensemble de l'agriculture avec les autres? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai lu que le papier de Contretemps, j'ai pas lu la thèse, mais grosso modo, ils arrivent déjà au niveau idéologique, à t'imposer une identité qui plaît aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'identité, le creuset en fait qui fonctionne, c'est le statut d'agriculteur exploitant. Et en fait, l'agriculteur se pense pas du tout comme un ouvrier. On le sait bien, c'est bien tout le problème de la convergence des luttes. Il se pense pas du tout en termes de classe sociale, mais il se pense essentiellement comme un monde à part de la ville, comme un agriculteur, et qui plus est indépendant, parce que exploitant. Et c'est là aussi la raison pour laquelle on ne parle absolument pas du prolétariat agricole, qui est aujourd'hui avoisine, grosso modo, entre 500 000 et 1 million de prolétaires qui bossent, avec aussi, ne l'oublions pas, une grande partie de prolétaires ultra exploités qui sont des migrants la plupart du temps, et il y a beaucoup d'affaires d'exploitation, de servage, de quasi-esclavage par des nervis, hein, des agents, des fachos qui les tiennent, qui les enferment en fait sur le lieu de l'exploitation. Je rappelle que c'est ce qui était
la condition des Noirs aux États-Unis après l'affranchissement, hein, c'est le système dit de Jim Crow, qui faisait que les Noirs étaient quand même enfermés sur les plantations aux États-Unis, même s'ils étaient formellement libres, hein, comme dit Marx. Et donc, il y avait des forces armées, en fait, qui contrôlaient ce prolétariat. Et même les épiceries, en fait, étaient sur place pour éviter que l'argent soit dépensé à l'extérieur de la grande exploitation tenue par toujours les mêmes planteurs du coton, essentiellement. Et donc, en France, on a cette fierté pour les paysans de se dire « je suis patron chez moi ». Et même le petit agriculteur, quelque part, est un patron qui exploite des ouvriers, qui exploite des ouvriers agricoles. Et on ne parle même pas de tous les saisonniers, parce que là, ça fait partie d'un débat qu'on aura avec Isabelle Carrère quand on recevra Mauricio Aranda pour la sortie du dossier thématique sans-abri, expérience et politique, qui parle notamment des nomades saisonniers agricoles, qui sont des jeunes entre la culture nomade et la culture de la survie prolétarienne, et qui souvent voilà n'ont pas de contrat de travail, sont virés des différents endroits où ils sont avec leur camion, puisqu'il y a aussi la culture du camion et du routard, et ces gens-là sont voilà ultra exploités par les différents propriétaires, notamment de vin, puisque par définition ils sont saisonniers, donc ils viennent pour récolter le pinard dans les conditions les plus effroyables. Mais on oublie aussi, et là c'est le livre de Martinez, hein, qui explique sa condition de précaire et de manutentionnaire, qui bosse dans des petites entreprises rurales autour de Bordeaux, et qui font les boulots les pires que ne font pas les salariés des entreprises ordinaires. On prend des manutentionnaires, des agences d'intérim qui vont nettoyer les hangars les plus dégueulasses, ramasser des produits toxiques, etc. Voilà. Donc les agriculteurs sont fiers d'être des petits patrons, et c'est pour ça que la FNSEA aussi remporte la mise au niveau identitaire. Et l'autre variable qu'explique l'article, c'est que en fait, il y a des cadres techniques à l'intérieur de la FNSEA qui sont des conseillers, en fait, qui accompagnent les agriculteurs, qui font en fait un rôle d'intermédiaire, de go-between, pour les aider à comprendre au niveau technique aussi. Et ça, ils les rencontrent depuis le lycée technique. À l'intérieur, ils vont eux-mêmes intervenir dans les lycées techniques. Et donc, il y a tout un réseau qui se met en place. Et c'est là où, effectivement, on retrouve le pouvoir et la domination. Parce que ce réseau fonctionne dès les écoles et s'accompagne après, quand les enfants prennent le relais des parents, par des conseils techniques sur les exploitations, pour des coups de main pour avec les prêts bancaires, et bien sûr la mise en dette. On sait bien que c'est comme ça qu'on tient aussi tous ces gens-là. Et depuis les années 60, hein, l'achat du tracteur, l'achat des matériels agricoles, tout ça c'est de la mise en dette. Et donc quand on est en dette, eh bien on ferme sa gueule et on reste avec le cadre technique de la FNSEA pour lui demander de l'aide, jusqu'à ce qu'à un moment donné il vous lâche et il vous dit je peux plus rien pour toi, et c'est là où effectivement le mec se suicide, et voilà. Donc c'est tout un système de mise en dépendance, d'aide entre guillemets technique, d'aide, voilà. Et je trouve voilà que ça permet de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne un système, plutôt que décréter que les paysans sont aliénés ou autres. En fait, faut plutôt penser le travail de mise en dépendance. Nous, on va vite, on dit aliénation, machin, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans l'insulte en disant ça. On essaye de poser un constat, et voilà. Et ce constat, c'est notamment ce travail, parce que les dominants, en fait, travaillent. Ils peuvent proposer des ressources, ils peuvent proposer des aides, ils sont des sortes de copains, ils essayent de mettre en place des... Ben c'est le côté qualité, c'est le côté excellence que décrivait Lepage. En fait, ce sont pas des salopards qui contrôlent et qui dominent. En fait, ce sont des gens sympas qui essayent de t'aider à gérer ton exploitation, à essayer de compenser tes dettes. Et c'est en ce sens-là qu'ils ne sont pas vus comme des salauds comme Rousseau, mais comme des gens qui, dans une trame très serrée de petits cadres, de moyens cadres et de grands cadres jusqu'au chef suprême, étalent leur maillage sur l'ensemble de la France et font que dans l'ensemble, eh bien, on ne peut que exister en dehors de ce système. Et c'est pour ça que la Confédération paysanne, essentiellement, ce sont des gens qui sont hors totalement de ce système-là, hors de l'Actalis. Et donc, ils fondent eux-mêmes leur propre coopérative, leur propre système de distribution, complètement à côté, parce que quand t'es dedans, t'es foutu. Voilà.
Alors juste fake news encore sur Cause Commune. Évidemment, j'ai dit Aurélien Rousseau, c'était Arnaud Rousseau. Mais je la fais tout le temps. Et on nous informe que quand même le débat aura eu lieu hein, sans Rousseau, mais avec évidemment la coordination rurale, pas les soulèvements de la terre qui ont été annulés, et la Confédération paysanne n'est pas là également. Donc manifestement Macron, après les échauffourées du matin et le déploiement de ses flics, et notamment quand même de la Bravem hein, qui était sur place à l'entrée du salon, a réussi encore une fois à tirer son épingle du jeu, en tout cas dans un environnement maîtrisé tel que tu l'évoquais tout à l'heure. Et probablement que les chaînes d'info et la radio publique d'information aura simplement relevé la tenue de ce débat et aura dressé quelques lauriers à Emmanuel. Donc c'était le débat a eu lieu entre la SDSEA, donc les départementales de la FNSEA, et la coordination rurale, comme tu l'as dit, hein, qui sont essentiellement classés à l'extrême droite et proches du Front National. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce système-là, c'est que on n'a pas évoqué le troisième levier, c'est-à-dire le premier levier, c'est contrôler le système, le deuxième, c'est fidéliser les troupes, et le troisième levier, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure, c'est la valeur du service public, le livre qui nous montre bien la caste managériale privée-publique, et dans le secteur agricole, bien sûr, il y a une intrication très étroite entre les affaires d'État et les affaires privées, autrement dit, entre le capitalisme agricole et les élites administratives de l'État, qui bien sûr sont en lien discret, en lien invisible, hein, ils vont pas s'étaler comme au théâtre où les gens seraient là sur scène, on verrait un préfet et un responsable de la FNSEA se taper dans le dos, comme on a vu la photo de Jordan Bardella avec un commandant de CRS qui lui remet la médaille, où là maintenant de la CRS-8, ouais. Ouais, on a un affichage maintenant direct. Alors il y a même un ancien responsable de l'État là qui vient de s'affilier aussi au parti fasciste. Et donc on a cette forme de collusion qui est recherchée par le Front National pour sa respectabilité. Donc eux s'affichent directement dès qu'ils ont ce truc hallucinant de la coopération entre l'habitus répressif de la République et de l'autre côté l'habitus répressif politique du parti fasciste. Là on a de la visibilité parce qu'ils en ont besoin stratégiquement. Mais dans l'ordinaire de l'État, cet État dit républicain, c'est caché. Comme les lobbies qui sont à Bruxelles et qui ont tous des appartements gigantesques pour aller filer du fric, corrompre les députés ou les intéresser à leur dossier, forcément avec des formes d'intéressement, c'est-à-dire le retour sur l'ascenseur, ça sera un pantouflage. Quand tu seras plus ministre, pense à reviens nous voir parce que tu sais qu'on pourra te placer dans telle entreprise ou telle autre. D'ailleurs, la quasi-totalité des ministres qui sont plus ministres ou des députés qui sont plus députés se retrouvent à la tête de grosses entreprises. Là, il suffit de regarder un petit peu les profils du personnel politique et on le verra quasi à 100%. Il y a toujours des sinécures qui sont proposées dans ces renvois d'ascenseurs. Et donc là, on a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ce troisième étage de cette collusion permanente, alors que l'État prétend être l'État de l'intérêt général. Bien sûr, on sait que ça n'existe pas. Et donc, on a un exemple incroyable qui nous est donné par Off Investigation sur dans la rubrique foutage de gueule hein, entre le lien entre le préfet et les mégabassines. On va voir que c'est une interview qui est complètement foirée, mais qui nous permet de comprendre un des principes de cette collusion dont je ne vais pas parler tout de suite, mais qui nous permet de voir quelle est aussi l'énergie, hein, l'essence, quel type de gasoil fonctionne dans l'État pour que effectivement les préfets soient encore plus à l'écoute des intérêts privés. Alors, juste avant de l'écouter, petite précision, tu parlais en fait de l'ancien directeur de l'Agence européenne de protection des frontières, la dite Frontex, Fabrice Légéry, qui a rejoint il y a peu, en effet, la liste du Rassemblement national. Et on s'écoute tout de suite ce petit extrait d'Off Investigation. Dans cette guerre des bassines,
L'État incite-t-il financièrement ses préfets à négliger l'environnement ? Fin 2021, le Premier ministre avait mis la pression sur celui des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry, pour qu'il lance rapidement plus de 2 réserves de substitution en 2022. Ce sera Sainte-Soline et Mauzé sur le Mignon. Dans cette feuille de route du préfet révélée par Politico en novembre 2023, Jean Castex précisait même. Vous vous attacherez à ce que les travaux soient engagés dans les meilleurs délais compatibles avec les procédures actuellement pendantes devant le juge administratif. Les résultats obtenus constitueront l'un des critères d'appréciation de votre action. En France, une part de la rémunération des préfets dépend effectivement de leurs résultats. Et cette part variable peut atteindre plusieurs milliers d'euros. En clair, plus Emmanuel Aubry construisait de méga-bassines, plus il touchait d'argent. Nous le retrouvons à la préfecture du Mans. Quel est votre positionnement par rapport à ce protocole qui a été signé Alors pour moi, je suis préfet de la Sarthe et naturellement, il me revient de discuter de la gestion de l'eau en Sarthe. Pour les autres territoires dont j'ai pu avoir évidemment une bonne connaissance, je n'ai pas suivi leurs évolutions, y compris les plus récentes. D'accord. Pour en revenir sur la gestion de l'eau, simplement, juste cette histoire de méga-bassines, est-ce que vous pensez que, parce que dans le protocole, c'est bien des méga-bassines qui vont pomper dans les nappes phréatiques, sachant que dans l'étude des agriculteurs, il n'y avait pas la prise en compte justement du réchauffement climatique. Est-ce que vous aviez conscience de ça? Comme je l'ai dit, je suis préfet de la Sarthe. Du coup, vous ne souhaitez vraiment pas vous exprimer sur la feuille de route que vous aviez quand vous étiez préfet dans les Deux-Sèvres? Je suis le préfet de la Sarthe, naturellement. Vous avez aussi une feuille de route dans le... Tous les préfets, dans tous les départements, des feuilles de route, naturellement. C'était juste la question que, ayant fait des études de sciences politiques, comment on peut être garant d'intérêt général et avoir une prime pour finalement... Assurer la construction d'ouvrages privés. Je suis attentif à la gestion de l'eau dans le département de la Sarthe. Merci. D'accord, merci. C'est une vraie question. Moi, je vous ai un peu titillé, mais c'est un ouvrage privé. Donc, la question se pose de savoir pourquoi un préfet, et s'il n'a pas finalement. Il y a en intérêt général une position qui peut être privée au regard des primes qu'il peut toucher. Ah là là là. Mais les voir en gêne totale comme ça, c'est assez jouissif quand même. Mais bon. En fait, c'est là où en fait on a envie de tuer. En fait, quand on voit ça. On a envie d'être ministre de la justice et de condamner à mort. Et c'est là où je rejoins la sœur ou la nièce, je sais plus, de Marine Le Pen sur la peine de mort. Moi, en fait, tu peux être qu'un fou qui est un vil et revenir à la Révolution française. Tu ne peux pas supporter qu'un préfet qui en plus est payé par nos impôts refuse de parler. Que ce type-là, en fait, à plusieurs reprises, merci à vous, dégage. Allez, merci à vous, dégage. Le journalisme représente la démocratie. Lui doit représenter l'intérêt général. Si on croit en la République, il doit jouer le jeu. Or, là, on voit, avec son arrogance, qu'il nous représente un État, une République bananière. Il nous représente... l'irritabilité de celui qui dit « de toute façon je parlerai pas, je vous dirai rien » et il le dit même de façon ironique en disant « j'ai pas suivi l'évolution récente » alors qu'on sait très bien qu'on s'en fout de l'évolution récente, on te parle de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le fait que t'as fait Sainte-Soline et parle-nous de Sainte-Soline, cette méga-bassine, etc. » Et bien sûr, pas un mot sur cette histoire-là. Et ce refus de parler, alors bien sûr, le type peut dire obligation de réserve, je suis un agent administratif, et bien sûr, l'État met la pression à mort. Et dernièrement encore, dans le Canard enchaîné, il y avait un ancien directeur des services secrets français qui voulait sortir un livre, et je ne sais plus quel ministre lui a interdit. Et le livre était sorti, en fait, il a été mis au pilon. Interdiction de sortir, obligation de réserve de la part des hauts fonctionnaires. Donc c'est la raison d'État. Là, on n'est plus dans la démocratie, on n'est plus dans la République, et la
raison d'État, c'est quoi? C'est le fascisme. La raison d'État, c'est on sort du cadre de notre constitution et de ce qu'on a mis en place pour dire, ah ben non, là c'est chasse gardée du prince, on retombe sur Machiavel, on retombe sur Hobbes, on retombe sur l'État autoritaire, pour ne pas dire fasciste. Et voilà. Et donc c'est cette figure-là, en fait, qui fait que on ne peut que aimer la révolution dans ces cas-là. On ne peut que aimer la bande à Baader dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces cas-là, c'est l'État qui nous produit comme bande à Baader. C'est l'État qui nous produit comme voulant être révolutionnaire, parce que les voies légales et démocratiques par lesquelles on passe, nous, en respectant les cadres légaux, c'est-à-dire ces journalistes qui font leur enquête en transparence, comme ça existe de façon, on va dire, bien plus marquée dans les pays du Nord, en Suède, en Norvège ou autre, où quand tu dépenses même 50 euros, quand t'es ministre, tu peux perdre ton job si jamais tu l'as pas déclaré. Eh bien, là, on a cette révélation dans ce documentaire, de manière hallucinante, de ce que l'on appelle pudiquement la part variable du salaire. En fait, c'est la porte ouverte à la corruption. Voilà, c'est les primes qui sont données aux ministres si, encore une fois, là on a encore du Leplace, hein, on va pratiquer du Franck Le... Oh là, Lepage. Lepage. C'est pas que le prénom, c'est aussi le nom. Et donc du coup, ça s'appelle feuille de route. Voilà, j'adore. C'est-à-dire le Macron qui dit au préfet, bon bah tu vas aller sucer le capital, ça s'appelle feuille de route. Donc non seulement ils sont beaux, mais dans leurs euphémismes, ils sont capables aussi de faire en sorte que ça soit presque poétique. Feuille de route, mais c'est magnifique, c'est tellement mignon cette métaphore, une feuille de route. Et donc, en fait, c'est tout simplement l'injonction. Alors, c'est marrant, c'est comme si le préfet était un prolétaire. Il est astreint à la productivité, à l'intéressement. Hein, c'est encore une logique capitaliste qui est à l'œuvre dans l'État. Et plus tu nous fais des contrats pourris, et plus tu nous fais des méga-bassines, et plus tu vas dans la logique du fric et de tout ce qui est opposé à la biodiversité, etc., et plus tu pourras être rétribué. Donc, c'est, et bien sûr, sur nos impôts, puisque ben, les primes qu'ils touchent de plusieurs milliers d'euros sur un salaire qui est déjà, grosso modo, pour un petit débutant, entre 8000 euros et ça monte vite à 15-20 000 euros, eh bien voilà, ces types-là, et on le sait, c'est caché, hein, on n'a pas le détail de toutes ces primes, mais elles peuvent être, notamment pour les énarques de Bercy, hein, les 500 énarques planqués à Bercy, ça peut être des salaires mirobolants de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et, là, et c'est un grand secret à l'intérieur de l'État de savoir précisément comment les hauts fonctionnaires, les énarques spécialisés en économie à Bercy touchent réellement. C'est très compliqué de le savoir. Voilà, donc moi je trouve que ce passage était absolument remarquable, parce que quand on sait ce qui s'est passé à Sainte-Soline, quand on sait la violence avec laquelle, eh bien, c'était quoi? C'est quoi finalement, en tout cas, ce qu'on peut interpréter comme étant Sainte-Soline? Sainte-Soline, c'est le moment où il faut surtout pas plier, parce que sinon on va plier sur les autres affaires. Et donc c'est le moment de la stabilisation du capital sur ce pillage des nappes phréatiques, où il faut poser un capitalisme du pillage de l'eau, réservé aux grands céréaliers, réservé à ceux qui produisent du maïs, qui est un consommateur hallucinant d'eau, et les mégabassines, ce sont des entreprises privées qui vont servir des intérêts privés, des plus gros, donc de la FNSEA, donc de Rousseau et de tous ses copains, et c'est une des parties du système. Et c'est là où le préfet ne pouvait pas lâcher, parce que justement, compte tenu de la crise climatique, il fallait absolument montrer que l'État pouvait servir de bras armés pour que le capital puisse pomper sur l'intérêt général, sur nos réserves foncières, sur le bien public, sur le service public, encore une fois, pour aller dans la logique de la FNSEA et la logique de ce système, encore une fois, si bien analysé par cet immense collectif qui a été piloté in fine par Claire Lemercier, Julie Gervais et Willy Pelletier, La valeur du service public, mais qui est surtout un livre qui nous montre comment fonctionne cette caste capitaliste avec les agents de l'État. Voilà, donc
C'était le moment agriculture capitalisme. Okay. Et on aura retenu qu'au détour d'une référence malheureuse à la nièce de Le Pen, ce que tu préconises, c'est évidemment une parenthèse révolutionnaire et ses dommages collatéraux obligatoires. Têtes sur des pics et effectivement. mais c'est vrai qu'on peut pas donner des noms, mais je pense qu'il y a des têtes qui sont particulièrement bien positionnées. Probablement. Voilà. On ne peut que le dire sur un ton humoristique, étant donné qu'effectivement, pour le moment, effectivement, nous n'avons pas cette fameuse période révolutionnaire. Mais ça nous pose la question aussi. Quand moi je voyais le film sur Bader, je me dis, est-ce que j'aurais eu le courage de suivre Che Guevara en Bolivie. Est-ce que j'aurais eu le courage d'être dans l'équipe de Sankara pour faire la révolution au Burkina Faso? Tu vois, la question de la résistance en 39-45, où à chaque fois ce sont des risques de mort, ça soulève aussi cette grande question derrière. C'est pas simplement la révolution, c'est ceux qui la font et ceux qui prennent tous les risques pour la faire. Absolument. Et en parlant de risque, eh bien, il y a la déambulation compliquée d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, puisque, comme on nous en informe sur le chat, après ce micro débat minable manifestement avec les représentants de la coordination rurale et de la FDSEA, dans un environnement parfaitement protégés, tous les autres évidemment continuent de huer Emmanuel Macron, qui manifestement a beaucoup de difficultés à déambuler dans les allées du salon de l'agriculture. Je pense qu'il va finir par se casser, a priori. Et j'évoquais tout à l'heure la dernière sortie du président de tous les Français et les Françaises. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine. J'avais cité la montagne, et en fait non, c'est bien dans la PQR, mais c'est dans la Marseillaise. Je te propose une petite pause musicale, Patrick, puisque on vient déjà de produire une heure de cet épisode 32 de Sous les lapsus de l'actu. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune. C'est sur 93.1 à Paris, en Ile-de-France, sur le DAB de la même région. Et c'est partout ailleurs sur causecommune.fm. À 14h, vous retrouverez William pour le 210e numéro de Cyberculture. Et il sera alors à la fin de cette émission 16h. Et ce sera le temps pour nous de laisser la main, et on en est désolé, à Aligre FM sur la FM pour poursuivre nos programmes sur le DAB et sur le site internet de la radio. Le chat, c'est causecommune.fm, bouton chat. On est sur le salon sous les lapsus de l'actu, puisque les propositions musicales sont de toi aujourd'hui, Patrick. Laquelle parmi les Fossoyeurs ou Alcosynthiques souhaites-tu écouter maintenant pour ponctuer cette émission? Le lien avec Fouquier-Tinville, ça serait plutôt les Fossoyeurs. Alors allons-y. Rien, nous sommes en vie. Tu vois notre paradis, tu sais qu'on se construit.
près de toutes nos prières, près de vos yeux de mystère. Car le Tiquois voit tellement faire la vie, que c'est avec mépris que l'on combat de vos conneries. Et si c'est pas assez, alors nous danserons sur la tombe de vos dieux détruits. Et que s'écroule vos dieux immondes. Alors nous vivrons sans Dieu ni maître. Alors nous vivrons sans Dieu ni maître. Alors nous vivrons sans Dieu ni maître. Alors nous vivrons sans Dieu. Alors malgré ce qu'on pourrait croire, hein, le titre c'était pas sans Dieu ni maître, c'était On n'ira pas au paradis, et c'était les fossoyeurs sceptiques, juste à l'instant sur Radio Cause Commune 93.1 à Paris en Ile-de-France, le DAB de la même région, causecommune.fm partout ailleurs, sous les lapsus de l'actu épisode 31, on est sur le chat, causecommune.fm, bouton chat, salon, sous les lapsus de l'actu, et mon camarade Brunto est toujours parmi nous. Ouais, le camarade qui quand même a besoin de replacer un peu la chanson dans quelque chose qui serait actuel. C'est-à-dire que en fait le vieux message libertaire sans Dieu ni maître doit être remis un peu à sa juste place. C'est-à-dire que il y a beaucoup de travaux qui montre qu'en fait la sécularisation de nos sociétés, donc la disparition tendancielle de Dieu, alors pas partout, hein, on sait qu'il y a 99% de la planète Terre qui est encore dans on va dire dans les monothéismes ou dans l'animisme, mais il y a quand même dans certains espaces urbains des libres penseurs. Ça a été un travail très très long, puisque l'athéisme a fait extrêmement peur au siècle des Lumières. Ça fait partie des choses qu'on raconte jamais. Mais Durkheim disait, bon, ben, face à cette horrible souffrance et cette peur abyssale de vivre sans Dieu, eh bien, sachons qu'avec la Troisième République, Dieu réapparaît sous la forme de la société. Et Durkheim n'a jamais cessé, lui qui était juif et qui était fils de rabbin, et qui recherchait un autre Dieu, puisqu'il n'était pas croyant, il s'est dit, ben, le Dieu, ça sera la société. C'est notre société à nous, moderne, mais en même temps une société bizarre. Alors il faut absolument encenser cette nouvelle société, il faut encenser la République, il faut lui trouver des nouveaux symboles pour que les gens aient la foi dans cette République. Et c'est un peu ce message-là qu'a essayé de mettre en place l'élite républicaine, à travers Marianne, à travers des symboles, mais qui sont pas l'eau à côté de la toute-puissance divine. Mais voilà, c'est pour ça que la chanson doit être actualisée, parce que on a quand même, avec le système capitaliste, on a justement ce basculement qui peut être fondé sur Dieu, hein. Beaucoup de protestants capitalistes étaient calvinistes au départ et tout ça, puis aujourd'hui ils sont aux États-Unis tout ce qu'on veut, presbytériens, baptistes et autres, en tout cas ils sont, ou pentecôtistes, ils sont en tout cas protestants. Il y a beaucoup de religions connectées avec maintenant les affaires.
dans toutes les religions possibles. Donc ça existe toujours et c'est toujours reconfiguré. Maintenant, c'est un signe de Dieu que d'être riche et d'être plein de pouvoir et de puissance. Donc Dieu au service du capital, ça se met en place. Mais même quand Dieu n'existe plus pour le capitaliste, eh bien c'est lui qui devient Dieu. Voilà, il s'invente les Rockefeller, les Rothschild, les grandes familles peuvent se créer leur propre panthéon, leur propre mausolée. Alors on a des mausolées avec Johnny Hallyday. Mais il y a aussi des grands capitalistes qui disparaissent, mais qui créent des fondations. Et souvent, dans leurs héritages, ils disent « Moi, je veux bien donner une partie de ma fortune, mais à condition qu'on m'encense, à tous les sens du terme, et donc qu'on mette de l'encens quand on rentre dans mon petit mausolée pour m'encenser et me glorifier. » Donc, c'est pour ça que les riches, qui veulent absolument, un, aller au paradis, et deux, rester éternels, créent aussi des fondations pour... alors, on le voit avec notamment Bill Gates... faudrait vérifier dans le détail, mais qu'a soi-disant filé 50 milliards pour lutter contre le paludisme ou d'autres. Voilà, la philanthropie n'est pas que une façon de légitimer le capital, c'est aussi une façon de se légitimer soi-même comme un grand et de se dire je suis pas qu'un salopard et un pourri qui tue et qui rase le monde entier, mais voilà, je fais le bien. Donc ils veulent avoir une bonne image. Et parmi ceux que je déteste le moins, il y a Gaudin. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de Gaudin. Si, si, bien sûr. Voilà. Et donc, c'était quand même un type qui, à la base, était... Les fonderies, là, Gaudin. Et d'ailleurs, on a, l'an dernier, eu l'occasion de faire plusieurs directs à l'occasion d'une biennale, d'un événement qui s'appelle Faire Autrement et qui se situait au Familistère de Guise, justement, des entreprises voilà. Gaudin. Voilà, donc lui était dans la même veine du paternalisme comme les autres, mais avec une philosophie beaucoup plus communiste, beaucoup plus redistributive, puisque ses ouvriers étaient payés deux fois le salaire de l'époque, il y avait toute une prestation sociale que l'État républicain ne donnait pas à l'époque et que lui donnait sous forme de crèche, de théâtre, enfin bref, il y avait tout un dispositif, voilà. Mais bien sûr, il ne fallait pas quitter l'école, épicerie, ouais, et logement. T'as foutu les pieds au Familistère ? Oui, on y a passé 3 jours. Ouais. Donc c'est impressionnant de voir l'immeuble là avec le dôme en verre. Absolument. Qui était la grande place où les gens devaient se croiser et discuter. La forme d'agora là. Ouais. Voilà, en fait, pour rester sur nos capitalistes, je trouve que c'est aussi un petit support de son très intéressant, ce qu'on va écouter avec l'enquête des journalistes de l'UMA, qui bien sûr, comme tu disais en début d'émission, on sait tous maintenant que Rousseau c'est un capitaliste, que machin, mais en tout cas, les journalistes de l'UMA veulent nous redire une fois de plus qu'il y a des millionnaires au gouvernement, mais ça fait quand même du bien de l'entendre, et surtout c'est intéressant de voir la réaction des journalistes derrière, qui sont pas du tout d'accord. Donc des ministres millionnaires, il y en a depuis un certain temps. Nous, le constat qu'on fait, et c'est pas tellement les trajectoires individuelles de chacun des ministres. Par exemple, on pourrait dire que Éric Dupond-Moretti, il a quelques dettes, donc son patrimoine, c'est plutôt 4 millions d'euros. Le troisième serait plutôt Roland Lescure. C'est pas tellement les trajectoires individuelles, savoir s'il y a un palmarès, qui sont les premiers. C'est plutôt ce qui nous a intéressé là, et c'est pour ça qu'on a voulu le faire là, en anticipant un peu sur les déclarations à venir, les déclarations d'intérêt de patrimoine à venir. C'est plutôt la constitution du groupe social, l'inscription du gouvernement dans le groupe social des plus fortunés, des plus riches. Effectivement, les 5%, les 1%, grosso modo, on peut considérer que ce gouvernement est tissé de relations. Beaucoup de ses membres sont dans des relations familiales, des relations d'affaires, des relations professionnelles, etc., qui sont autour des plus riches, des plus fortunés, tout ça, en France. Donc en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est voir ce gouvernement, inscrire ce gouvernement dans une sociologie de la domination. Et on doit ce son aux médias que vous retrouvez sur la chaîne 350 de vos Freebox, mais aussi évidemment sur leur site internet et sur YouTube. Alors on a le palmarès qui est
hallucinant, hallucinant quand on voit les différents ministres. Oudéa, c'est dans les 6 millions d'euros, elle tient le crachoir. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le journaliste de l'UMA, il nous dit pas ce qui est intéressant, c'est que Oudéa ait 6 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'elle nous met ses chiards, en fait, chez Stanislas, et que Stanislas, il y a tout un ensemble de grands acteurs politiques et économiques qui y sont passés. J'ai pas le détail, mais j'ai juste retenu le nom de De Gaulle parce que c'était drôle de savoir que De Gaulle était passé par Stanislas. Et donc, tous ces grands patrons commencent leur réseau dès la maternelle. Ils se fréquentent, ils se voient, ils bouffent ensemble, etc. Et c'est ça que le journaliste de l'UMA est en train de nous dire. Et c'est le quatrième étage, en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit, hein, le système des dominants, le fait de fidéliser les troupes, le fait d'avoir le lien avec l'État. Mais au-delà, le quatrième étage, c'est que ça va beaucoup plus loin que le lien avec l'État, c'est que il y a un lien sociétal, congénital, un ADN, la caste managériale public-privé qui est très bien posée là par le journaliste de l'UMA, et on retrouve notre bouquin La valeur du service public une fois de plus. On a des gens qui se connaissent, des gens qui mangent ensemble, et par définition l'Élysée est dans le 8e arrondissement, ou en tout cas dans ce coin-là, parce que j'y vais jamais généralement. Et donc, par définition, ces gens-là, eh bien, ils ne peuvent que se croiser puisqu'ils vivent déjà ensemble. Et c'est un truisme de le dire, mais c'est beaucoup plus compliqué de l'étudier et de le voir et de le prouver. C'est ce que les passants Charlot ont fait pendant 30 ans, de les traquer, de rentrer dans la bête et de pouvoir les suivre et d'avoir des informations précises. Et c'est grâce à leurs dizaines de bouquins qu'on connaît maintenant très bien ces liens entre les affairistes, la haute bourgeoisie, les hommes politiques, qui ne sont pas l'un dans l'État et l'autre dans les affaires, mais qui sont complètement connectés, d'où le titre, la caste managériale, public-privé, pour critiquer la notion de Bourdieu, la noblesse d'État, puisqu'il n'y a pas d'un côté de noblesse d'État et l'autre côté des bourgeois. Les deux sont complètement appareillés et fonctionnent ensemble. Et c'est ça qui est la magnifique information donnée par Oudéa, c'est finalement cette visualisation de ce qui est ordinairement caché, c'est-à-dire 3 piscines, 3 hectares de terrain dans le 6e, le Sénat qui vient passer un partenariat avec Stanislas pour pouvoir profiter d'une des piscines. On a une pornographie de la richesse, on a une pornographie du pillage de l'État, voilà, et la pornographie qui est effectivement dénoncée comme stigmatisante, comme dans le registre de Becker qu'on connaît maintenant, avec toujours labellisé, le dominé, toujours l'étiqueté comme mauvais pauvre, etc. Eh bien là, on a un remarquable fonctionnement des riches qui sont dans l'entre-soi et qui se cachent, sont complètement invisibles. Et par le plus grand des hasards, eh bien, on a eu ce lien qui sont très bien évoqués dans les différents réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a une sorte de toile qui s'est faite autour d'Oudéa, qui est hyper. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont exfiltré, hein, parce qu'en 3 semaines, mais elle en aura révélé plus que, enfin, en tout cas de manière publique, que aucun ne l'aura fait jusqu'à présent, quoi. Oui. Oui, oui, et même la science sociale, même le journalisme, ouais. On n'a jamais été à ce degré de précision. Ouais. Sur l'engeance. Mais t'as raison, là, on est presque dans du. On est effectivement dans la pornographie, mais en mode gonzo, quoi. Vraiment, caméra à l'épaule, on est au niveau des poils de bite et de chat, là. Vas-y. Et c'est assez, assez incroyable. Et juste pour précision à nos auditeurs et auditrices, cette enquête de l'UMA, vous pouvez la retrouver dans l'édition du 13 février. Et on rappelle juste, hein, la proportion, c'est pas moins d'un tiers du nouveau gouvernement qui pourrait être classé parmi les 1% de Français les plus fortunés. Donc un tiers sur 34, ça fait 17 a priori, et c'est plus de millionnaires que le gouvernement d'Elisabeth Borne en 2022. 17 millionnaires, soit un ministre sur deux. Alors, on ne peut pas finir ce tour d'horizon de la richesse et du capital sans proposer un cinquième étage qui serait notre fusée à nous. Et la beauté du système,
une fois que tous ces gens-là sont en lien, eh bien, il ne faut pas oublier le judiciaire. Mais parce oui. que, du coup, le judiciaire, les magistrats... alors, d'un côté, les alors, c'est très intéressant, la magistrature et le judiciaire, parce que, sans remonter à la division des pouvoirs, dont on sait que le pouvoir fait tout pour qu'il n'existe pas, eh bien, il y a quand même une fronde des magistrats, parce que, par exemple, il y a quelques mois, il y a eu, sur les 8000 magistrats, il y en a 5000 qui ont voté leur défiance à l'égard de Macron, qui essaye, comme tous les autres présidents, d'avoir le maximum de mainmise sur eux, notamment par rapport aux affaires, et les concernant, hein, ces élites. Mais malgré tout, on sait aussi que les magistrats sont ceux qui ont fait les condamnations en flagrant délit des jeunes de cité. Ce sont ceux qui aussi font les condamnations lourdes dans le cas des manifestations contre la réforme des retraites et les gilets jaunes, etc. Donc, en fait, il y a une ambivalence de la justice, à la fois décriée par les policiers comme ne mettant jamais les gens en prison et étant le syndicat de la magistrature considéré comme gauchiste, et de l'autre, des magistrats qui, en tant qu'institution, font quand même leur boulot, ils font leur job, et ils sont quand même appareillés, notamment en termes de classe sociale, les procureurs, les grands magistrats, tout ça font partie de ces dominants qui se retrouvent dans la franc-maçonnerie, qui se retrouvent dans ces grandes familles, et qui mangent ensemble, comme disait Sankara, j'adore cette expression, manger ensemble. Et donc, le cinquième étage, c'est faire en sorte que les brebis galeuses ne soient pas trop sanctionnées, parce que par définition, le capitalisme rime toujours avec aussi affaires, placements douteux, hein, on va dire le schéma Madoff. Et donc, ce schéma Madoff, il existe dans le politique aussi. Et donc, Sarkozy, qui devient le symbole absolu de la pourriture de la République bananière, vient d'être condamné. Et bien sûr, cette justice si gentille pour les dominants, l'a condamné à 3 ans, dont 2 avec sursis, donc une peine de prison ferme, 1 an de prison ferme, mais bien sûr, aménagement des peines. Alors là, c'est l'expression de Lepage, c'est magnifique. On dit pas, je vais te laisser sortir, tu seras peinard chez toi avec un bracelet électronique. On va parler aménagement de la peine. Bien sûr, Mouloud en banlieue, lui, il aura pas l'aménagement de la peine. Hein. Il vend un peu de cannabis, il va se prendre ses 2 ans de tôle. Mais par contre, voilà, Sarkozy... on écoute l'extrait, on réchappe une fois de plus. On vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy est condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. La partie ferme de la peine sera aménagée, ce qui signifie qu'il ne sera pas incarcéré. L'ancien président est sorti de la salle d'audience sans faire de déclaration. Il écope de cette peine dans le cadre de l'affaire Big Malion pour avoir dépassé le plafond légal des dépenses pour sa campagne présidentielle en 2012. Il avait dépensé près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions d'euros. Nicolas Sarkozy avait été condamné une première fois en 2021 à 1 an de prison ferme pour ce financement illégal de campagne et a été rejugé fin 2023 par la Cour d'appel de Paris qui vient juste de rendre cette décision. À côté de ça, il faut savoir que ce n'est pas la seule affaire judiciaire à laquelle est confronté Nicolas Sarkozy. Il a notamment été condamné en mai dernier en appel dans l'affaire dite des écoutes à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Il doit également comparaître l'année prochaine dans le cadre de soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Bon, on aura compris que le mec fera pas un jour de tôle. Pas un jour de tôle. C'est une fois de plus, on le dit tout le temps sur Cause Commune, c'est ce qui fait que aussi beaucoup de gens vont vers le Front National, c'est que ces gens-là croient que une propreté, c'est comme ça que le fascisme se vend aussi, le mouvement propre par rapport aux élus de la République corrompue, alors que bien sûr le fascisme est le plus corruptible possible de parce qu'il se moque des cadres légaux, il se moque de l'éthique, il se moque de tout. Donc par définition, il est prêt à tout. Et donc en fait, j'ai menti tout à l'heure et je m'en excuse en parlant de notre fusée à 5 étages, parce qu'en fait notre fusée elle a 6 étages. Et le 6e étage, en fait, c'est après avoir défendu les copains, c'est d'attaquer les dominés, c'est de s'en prendre aux dominés. Et c'est Aurore Berger qui s'en prend aux associations féministes qui auraient été ambiguës sur le 7 octobre. On va l'écouter.
Le gouvernement menace d'arrêter de subventionner les associations féministes qui auraient tenu des propos ambigus sur l'attaque du 7 octobre, on t'en dit plus. Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a expliqué ce dimanche que le gouvernement passait au crible les déclarations faites par les associations féministes soutenues par l'État sur l'attaque du Hamas en Israël. S'il y a la moindre ambiguïté sur des propos qui auraient été tenus le 7 octobre, je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé. Aucun exemple précis n'a été donné sur ce qui constitue ou non un propos ambigu selon le gouvernement. Cette demande a été adressée à l'administration la semaine dernière et un premier retour devrait arriver dans les jours qui viennent. Après cette déclaration d'Aurore Berger, le collectif Nous Toutes a qualifié cette annonce d'instrumentalisation des crimes du Hamas et de la riposte d'Israël à Gaza, et d'autres organisations évoquent quant à elles un chantage financier. Certaines figures féministes et politiques ont également critiqué le fait que la ministre ait fait cette annonce sur Radio J au micro de Frédéric Aziza, un journaliste ayant écopé d'un rappel à la loi en 2018 pour agression sexuelle. Malgré les critiques, Aurore Berger a affirmé ce lundi 12 février qu'elle ne cédera pas. Pour rappel, après le 7 octobre et la riposte israélienne, une partie du mouvement féministe a été critiquée pour son silence sur les violences et les viols commis par le Hamas. Plusieurs associations, comme Nous Toutes, s'étaient alors défendues en rappelant lutter pour toutes les femmes tout en condamnant sans ambiguïté les crimes sexuels et sexistes, viols et féminicides commis par le Hamas qui ont particulièrement visé les femmes, les personnes LGBTQIA+ et les enfants. Et donc la journaliste, c'est Anastasia Nicolas. On la remercie pour cette synthèse des propos d'Aurore Berger. Et justement, il y a deux jours, je ne sais plus quel journal, pas français évidemment, détaillait les crimes sexuels à l'attention des femmes et autres communautés discriminées par l'armée israélienne, dont on nous dit qu'elle est la plus morale du monde. Oui. Aurore Berger, je pense que tu connais pas mal de détails sur sa vie. Elle vient de l'UNI, notamment. Et ce qui est intéressant dans le droit capitaliste, c'est justement le fait qu'on peut quasiment lui faire dire tout ce que l'on a envie Absolument. De lui faire dire. Ouais. Et le terme les associations qui auraient été ambiguës, pas claires par rapport au 7 octobre, en fait, on peut jamais savoir ce que ça veut dire. Non, et d'ailleurs, Anastasia Nicolas le rappelle, sans que à aucun moment on ne décrive ce qu'est un propos ambigu. Voilà. Et ça nous renvoie là aussi à Lepage, bien sûr, sur toujours faire attention aux mots, et ça nous renvoie aussi à Cazeneuve. Avec la fameuse expression susceptible. Ouais, donc, la fameuse loi de 2017, oui. La loi, voilà. Et donc, du coup, au cœur de la République, on a un déni du droit au cœur du droit. Le droit capitaliste, le droit de l'État de la raison, le droit de l'État fasciste, pour reprendre l'expression de Frédéric Lordon, eh bien, c'est un État qui fonctionne avec de la latitude. Et plus le droit est flou, et plus les marges de manœuvre, bien sûr, sont énormes. Et c'est tout l'opposé, toute l'opposition entre Rousseau et Sieyès. Rousseau, avec son contrat social, impose que les élus suivent ce que le peuple a voté, avec non pas une élection pour un homme, mais une élection sur un projet. Et cet homme politique n'est que le porteur du projet du contrat social. Alors que Sieyès nous dit, tu votes et ferme ta gueule, vote et tais-toi. Et donc, du coup, après, le mandat représentatif donne la latitude absolue aux représentants pour faire ce qu'ils veulent. Ils sont juste élus. Et il n'y a pas de projet derrière, si ce n'est un programme, effectivement, que la plupart du temps, on ne suit pas, ou alors toujours le même, c'est-à-dire le néolibéralisme et la sécurité. Et là, l'ambiguïté, que ça soit avec des mots, si effectivement t'es suspect, ou si t'es susceptible d'eux, ou si vous avez été ambigu, en fait, tout c'est le mot même du droit ne devrait s'affranchir, en fait, de ces termes qui ne sont pas article 1, tu fais ci, t'auras ça. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête dans ce sixième étage. C'est que, et j'en avais d'ailleurs fait l'expérience lors d'un congrès de commissaire des polices à l'époque où je bossais sur le maintien de l'ordre, où je leur avais dit, et d'ailleurs il y a un ouvrage qui va bientôt sortir où mon papier concerne le droit, essentiellement une critique du droit, du maintien de l'ordre, pour dire qu'il est, il s'associe justement à cette ambiguïté en permettant d'avoir des armes militaires, donc c'est pour ça que j'ai centré essentiellement sur le droit, et à l'époque aussi, mais j'avais pointé ça dans un congrès en disant, mais regardez, vous passez de la manifestation à l'attroupement,
regardez quel est vos régimes de l'attroupement. En fait, on est dans le délire, quoi. Il suffit que vous puissiez pas garder la même mise du terrain à un moment donné. Hein, c'est ce qui autorise l'emploi des armes, c'est la légitime défense ou l'incapacité de pouvoir contrôler un territoire. C'est pas la même chose de contrôler l'Élysée et de contrôler un bout de la place de la République. Et je dis donc, dans ces cas-là, si jamais on, après les sommations ou peu importe les sommations, on est toujours là sur un territoire qui n'est plus légal parce que on a décrété que c'était la fin de la manif ou on a dit qu'on n'avait pas le droit d'être là, si vous pouvez pas contrôler ce bout de territoire, vous avez le droit de nous tuer. Et j'ai dit, mais c'est de la folie, parce que on est dans le régime de l'attroupement, et l'attroupement, ça vient de 1791, le premier régime de l'attroupement, qui est rappelé dans les lois au fur et à mesure, après 1848, et vous continuez jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi vous nettoyez pas le droit? Et je me souviens que plusieurs commissaires avaient hurlé dans la salle, pendant mon intervention, et ils m'avaient dit, sortez-le, sortez-le. Et après, j'en avais parlé en aparté à quelques commissaires qui sont venus me voir et qui m'ont dit, vous savez, nous, on est très bien avec le code pénal. C'était bien avant Sarkozy. C'était bien avant le code de la sécurité intérieure. Alors, je vous parle de ça, c'était la fin des années... c'était dans les années 1987, 88, 89. Et donc, les commissaires m'ont dit, mais vous êtes naïf ou quoi, monsieur Brunetaut? Vous êtes naïf? Il nous faut de l'ambiguïté. Il nous faut un droit flou pour qu'on puisse faire ce qu'on veut avec le code pénal. Voilà. C'est ça la vérité du code pénal. Et c'est ça la vérité. Par contre, soyons rassurés, les sanctions, elles sont toujours très précises. Et quand on est pris en flagrant délit ou on est chopé dans la rue, on est après tout de suite déféré en comparution immédiate. Et là, on écope d'une peine certaine et sûre et on va directement en prison. Donc c'est toujours, voilà, le principe des deux justices. Et qui est rappelé en permanence sur la radio. Donc en tout cas, ça faisait le lien aussi avec Israël, puisqu'on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe encore sur Gaza. Ce que je ne sais pas ce que tu as pu entendre récemment sur les réseaux sociaux, mais on a en ce moment des trucs absolument dingues de gens qui revendiquent ouvertement le génocide. Oui. On a dont ce fameux Maurice Ifergan, les réseaux sociaux contre-attaquent nous donnent en son et qu'on va écouter dans tout de suite. Il faut les bombarder. Mmh. Il faut les arrêter. Il faut les effacer. Il n'y a pas d'innocents dans la bande de Gaza. Il y a sûrement des militants du Hamas, il y a des électeurs du Hamas, il y a des sympathisants du Hamas, ceux qu'à une autre époque on aurait appelé même des collabos, mais des innocents, j'en connais pas. Par contre, et c'est très important de souligner la différence, il y a très certainement des civils non impliqués. Ça veut dire, de mon point de vue, tant qu'un Gazaoui ne prend pas les armes ou ne se conduit pas de façon hostile vis-à-vis d'Israël, c'est un civil non impliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, parce que je suis sûr que si je me promène dans la rue de Gaza à côté de lui, je risque fort d'y passer. Donc, de ce point de vue-là, non, il n'y a pas d'innocent. L'UNRWA est une organisation qui s'occupe des réfugiés palestiniens, certes, mais qui éduque ces réfugiés palestiniens à la haine. Et ça, de ce point de vue-là, c'est inadmissible. Comme israélienne, je suis israélienne, il ne faut pas sortir de Gaza. Il ne faut pas arrêter. Vraiment. Ça sera un jour terrible si on sort de Gaza. Il n'y aura plus d'Israël, on sera effacés. Il faut les bombarder, il faut les arrêter, il faut les effacer. Les effacer. Donc, Iman Kent News, hein, un très bon média. Dont on déplore depuis évidemment le 7 octobre. Les prises de position et les postures, sans que jamais d'ailleurs l'ARCOM n'ait jugé nécessaire de les rappeler à l'ordre. Alors ça, c'est quand même un thème où là, t'es quand même en première ligne. Le fait que le Conseil d'État ait voulu taper sur CNews, ouais.
dans le fait que beaucoup de commentateurs estiment aujourd'hui qu'il est insupportable que CNews soit sur la TNT alors que c'est ouvertement une chaîne politique. Bah en fait oui, là c'est assez inédit et d'ailleurs l'Arcom s'en est saisi. En fait la décision du Conseil d'État fait suite à une saisine de Reporters sans frontières qui demandait à ce que alors sur la base simple de la convention initiale de CNews d'être une chaîne d'information et donc de permettre évidemment le pluralisme, ce qui est totalement l'inverse d'une chaîne d'opinion, ce qu'est CNews. Et donc, Reporters sans frontières dit, alors c'est bien facile de mesurer le temps de parole des invités de ce média et des chaînes d'information en continu en règle générale, mais c'est occulter toute la partie commentateurs, journalistes et éditorialistes qui sont eux aussi à considérer dans la façon en tout cas qu'ils ont de pratiquer ou en tout cas dans le cadre dans lequel ils pratiquent leur métier et qui doit être aussi comptabilisé dans ce temps de parole et dans la mesure des équilibres entre les divergences d'opinion. Donc le CSA a dit OK, parce qu'au début la saisine avait été faite auprès de l'Arcom. L'Arcom avait dit bah non, en fait nous on mesure déjà, voilà. Donc ce qui permet par exemple à une chaîne comme CNews de passer en boucle un discours de Mélenchon entre 3h et 4h du matin, et comme ça ils ont les heures nécessaires pour la France insoumise. Voilà, ça c'est les petites techniques, ce que déplorait Reporters sans frontières. Donc le Conseil d'État dit à l'Arcom bah en fait ils ont raison, donc l'Arcom va redéfinir les règles de calcul des temps de parole. Alors il faut savoir quand même que c'est dans un contexte où la convention, l'autorisation donc de plusieurs chaînes de la TNT et donc CNews arrive à échéance, et donc là la pression populaire qui est faite avec notamment une pétition à ce sujet serait que l'Arcom ne renouvelle pas l'autorisation de CNews. Et comment expliquer parce que là c'est un petit peu compliqué au niveau du droit, Reporters sans frontières a eu la capacité juridique d'aller demander au Conseil d'État de... Alors effectivement, je connais pas les détails, en tout cas effectivement c'est bien sur la base d'une saisine de Reporters sans frontières que le Conseil d'État s'est prononcé. D'accord, donc il a dû passer d'abord par le tribunal administratif, probablement grimper tout là-haut quoi. Ouais, en sachant que à la base c'était l'Arcom qui l'avait saisi. Et l'Arcom, l'Arcom lui avait. Je pense que c'est en fait, c'est ça. C'est dommage. J'avais pas prévu qu'on en parle. Donc j'aurais un peu plus regardé les détails. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'Arcom a été saisi par Reporters sans frontières. Ils leur ont opposé une fin de non-recevoir. Et je pense que c'est sur la base des procédures standards de contestation des décisions de l'Arcom que le Conseil d'État est rentré en ligne de compte. Ouais. En tout cas, bravo à Reporters sans frontières qui en plus ont une capacité de gérer en termes de légitimité, de crédibilité pour pouvoir produire une information claire qui soit pas considérée comme une dénonciation de gauchistes ou des gens qui etc. Là voilà, c'est des gens qui sont aussi dans le système et qui disent voilà, là à un moment donné il y a un foutage de gueule au niveau de la démocratie. Oui, et dont certaines positions d'ailleurs sont contestables sur pas mal de points. D'ailleurs ils sont contestés, mais en tout cas ça fait rentrer dans le débat public ce questionnement autour de mais en fait parce que voilà là, c'est pareil encore une fois les gens ne comprennent pas c'est quoi une chaîne d'opinion par rapport à une chaîne d'information etc. Et ils ont l'impression là que si t'es en surface du débat t'as l'impression que on veut censurer CNews. Non, on veut juste
rappeler le fait que quand l'ARCOM, enfin le CSA, avant, a donné l'autorisation à CNews d'émettre, elle lui a donné l'autorisation d'émettre sous les principes d'une convention établie qui, comme nous, on a une convention avec avec le CSA, de produire un contenu qui respecte un certain nombre de règles. Et là, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que CNews ne respecte aucune de ces règles, qu'elle détourne en clair le cadre juridique dans lequel cette autorisation lui a été délivrée. Et à ce titre, le débat est juste que de se dire le CSA, enfin l'ARCOM, pardon, ne doit pas renouveler la concession d'exploitation de cette fréquence de la TNT qui, on le rappelle, est une ressource publique, elle est donc gratuite. On ne paye pas la fréquence, qu'on paye c'est la production, la diffusion. Voilà, par exemple, Cause Commune, pour émettre sur la FM, n'a pas payé sa fréquence ou sa demi-fréquence, ce qu'on déplore, 93.1, mais bien le fait de pouvoir diffuser ses programmes sur cette fréquence. Et là, en l'occurrence, nous, ça nous coûte 29 000 euros par an. Mais voilà, donc le débat est juste. Et là, je ne vois pas comment l'ARCOM, sous couvert de la révélation de ce débat et des arguments qui sont parfaitement tenables, peut se sentir autorisé de renouveler cette autorisation à CNews. Moi, ce que j'apprends avec ce que tu dis, c'est que il y a tout un ensemble de techniques de manipulation qui sont voilà qui sont à mettre sur le tapis, à inventorier, et notamment, alors là, j'ai trouvé ça très très drôle, la technique de l'égalité des passages en faisant venir en prime time à 19h des fachos et en mettant Mélenchon à 3h du matin. Mais c'est comme ça que CNews procède depuis son rachat, depuis avant ITélé, enfin voilà, après ITélé, depuis le rachat par Bolloré, ouais, qui lui ne s'en cache pas, hein, bien sûr, il fait un média d'opinion. Il a un projet civilisationnel que ces médias tutorisent. Il le fait avec Europe 1, il le fait avec CNews. Il le fait maintenant dans l'édition, puisqu'il a racheté Hachette. Il le fait dans ses journaux. Bref, c'est une machine de guerre. Ouais, c'est important de dire que effectivement il y a le projet civilisationnel qui est à remettre en lien avec le cinquième étage dont on parlait, des liens familiaux entre les journalistes qui participent, hein. C'est très bien montré par dans le livre les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi, les liens familiaux tissés entre les journalistes vedettes, les Poivre d'Arvor, les Ukraine ou les pros et tous ces gens qui finalement... Bon, on l'a vu avec la saga du Hamel, enfin la dynastie voilà, du Hamel il y a peu, ouais. Oui. Et voilà, et donc ils vivent ensemble, ils sont les parrains des gosses, ils se retrouvent dans les châteaux, etc. Et donc ça c'est la caste. Et au niveau des discours, alors certes on a le point d'orgue avec CNews, mais je pense que le plus difficile, c'est de traquer dans les médias mainstream mou. C'est-à-dire que quand, par exemple, sur France 2, je vais avoir 15 secondes sur Gaza avec la journaliste qui va parler du terme famine en montrant des images ou même sans images, et voilà. Ah oui, non mais attends, ouais, non mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce débat, je veux dire, en ciblant CNews et plus globalement la sphère catho tradi et d'extrême droite de Bolloré avec l'ensemble de ses médias, hein, j'ai cité Europe 1, les éditions, etc. Il faut pas pour autant et occulter, et même ça le révèle, mettre l'accent également sur cette pseudo-neutralité du service public.
qu'on considère comme un média audiovisuel de référence, mais tout comme on a le même problème avec Le Monde aujourd'hui. Voilà, il s'agit pas de dire les méchants sont à l'extrême droite et ils sont chez CNews et Europe 1. Il s'agit aussi de constater que avec ce dispositif mou et largement orienté des médias publics, on a exactement le même type de procédé en réalité. Qu'il faut évidemment là aussi dénoncer, on le fait régulièrement. Là, je m'étonnais encore cette semaine que France Info, alors plutôt que titrer comme Le Monde le ferait plutôt la guerre Israël-Hamas, ça c'est une manière hein, de rendre légitime évidemment les exactions israéliennes sur le territoire palestinien, France Info, elle, décide de titrer sur la guerre du Hamas contre Israël. Donc tu vois, ça rien que ça dit tout de ce qu'on évoque. C'est pareil, il semblerait que il soit de bon ton aujourd'hui d'être totalement ukrainien dans l'âme. Bon bah c'est pareil, toutes les dissensions internes à l'Ukraine, la lutte contre la corruption, ce territoire est totalement gangréné par la corruption. C'est pas complotiste de le dire, c'est une réalité, n'est jamais évoquée. Par contre, évidemment, Poutine sera toujours le pourri sanguinaire, ce qu'il est en l'occurrence. Mais dans l'équilibre de l'information et du récit, là, on a quand même quelque chose qui nous manque quand on croit être du bon côté de la barricade et qu'on se dit que, comme ils nous le disent d'ailleurs, que pas juste l'info juste, c'est France Info, bah en vrai, pas plus que chez CNews. Ouais. Alors pas avec le même, pas avec la même intention, pas avec les mêmes, comment on peut dire, les mêmes conséquences, mais en réalité, on n'est pas dans un dispositif plus sain, au contraire. Alors tu faisais une magnifique transition pour peut-être poser le cadre aussi de cette différence de traitement. C'est la différence de traitement entre l'Ukraine et la Palestine. Je te propose, si tu le veux bien, j'ai un petit texte de Benoît Bréville qui a sorti ça ouais. dans Le Monde diplomatique en janvier 24, qui s'intitule « Si les vies se valaient » et qui justement montre la différence de traitement alors au niveau médiatique, mais aussi de manière générale au niveau des politiques internationales entre voilà les deux systèmes. Et ça donne bien à voir, en fait, très clairement, comment on est complètement inféodé à Israël et dans le même temps comment on diabolise absolument la Russie, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la diaboliser. Bien sûr. Voilà, c'est le traitement est complètement différent. Donc, vas-y. Le texte prend deux petites minutes et il est très très évocateur de ce qu'on vient de dire. Au regard du droit international, la situation est limpide. La Russie occupe illégalement son voisin ukrainien, tout comme Israël occupe illégalement son voisin palestinien, ce que les Nations Unies ont maintes fois condamné. Tous deux devraient inspirer la même réprobation aux Occidentaux, qui défendent l'idée d'un ordre fondé sur des règles. Il n'en est rien. Dans un cas, les États-Unis et l'Union européenne se tiennent aux côtés du pays agressé, donc l'Ukraine, dans l'autre, du pays agresseur, Israël. Dès les premiers jours de la guerre, le vieux continent a ainsi ouvert grand ses portes à des millions d'exilés ukrainiens dans un élan d'hospitalité à faire pâlir les réfugiés d'Irak, de Syrie ou d'Afghanistan. Les Ukrainiens nous ressemblent, a justifié un éditorialiste britannique. Ils regardent Netflix, ont des comptes Instagram, votent lors d'élections libres et lisent des journaux non censurés. Nul ne propose d'accueillir les centaines de milliers d'habitants qui voudraient fuir Gaza. Au bout de 44 jours de bombardement israélien, le président français Emmanuel Macron a tout juste consenti à recevoir 50 enfants palestiniens blessés, si cela était utile et nécessaire. Washington et Bruxelles ont riposté à l'invasion russe en prenant des sanctions draconiennes contre Moscou, embargo sur le pétrole, restrictions commerciales et bancaires, gel des avoirs des oligarques, interdiction à Russie à tout d'émettre en Europe.
Des appels au boycott ont visé sportifs, musiciens, cinéastes, écrivains. Des expositions ont été annulées, des concerts déprogrammés. Rien de tel pour Israël. Fondé en 2005, le mouvement Boycott des investissements sanctions, BDS, plaide en vain pour l'adoption de mesures de rétorsion contre Tel Aviv. Régulièrement taxé d'antisémitisme, il est mis au ban en Allemagne et interdit dans une trentaine d'États américains. En France, il fait l'objet de poursuites judiciaires, tandis que le Canada interdit d'en faire la promotion. L'inventaire des asymétries n'en finit pas. Alors que les Occidentaux livrent des armes à l'occupé ukrainien, ils en vendent à l'occupant israélien, tout en menaçant de représailles ceux qui soutiendraient militairement les Palestiniens. Le président américain Joseph Biden a qualifié la destruction de l'hôpital de Mariupol de honte pour le monde entier, mais il se tait quand Israël, par ses bombardements et ses blocus, met hors service un tiers des hôpitaux de Gaza. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un sur Gaza, parce que l'article date de janvier, et donc aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'hôpitaux. Il a dénoncé le massacre de Boutcha comme un génocide, mais se refuse à appeler un cessez-le-feu à Gaza, où près de 20 000 personnes sont mortes en moins de 3 mois. Les commentateurs occidentaux ont souvent rapporté les 1200 victimes du Hamas à une population israélienne de 8 millions d'habitants, calculant que pour un pays de 331 millions d'habitants comme les États-Unis, l'équivalent des tueries du Hamas serait l'assassinat de 50 000 civils, soit 20 fois le 11 septembre, pour la France 10 000, soit 100 Bataclan. Mais qu'en serait-il si on comparait également les 20 000 tués de Gaza pour une population de 2,3 millions d'habitants ? En France, cela ferait 580 000 morts et non plus 10 000. Et pour les États-Unis, environ 2,8 millions et non pas 50 000. Soit davantage que le total cumulé de toutes les guerres de leur histoire, celles de sécession comprises. Près de 70% de la population de Gaza a été condamnée à l'exode. Alors comparons là aussi. L'équivalent donnerait 50 millions de Français et près de 200 millions d'Américains. Voilà, donc ça c'était l'article que je ne connais pas. Je connais pas Benoît Bréville, mais voilà, en tout cas son article montre bien le deux poids deux mesures, pour rester poli, mais qui voilà est effarant de négationnisme, puisque à partir du moment où on garde le silence, eh bien on nie l'existence du phénomène, tout simplement. Voilà, donc tous les silencieux. Alors je rappelle sur ma page Facebook tous les juifs qui sont descendus dans la rue pour hurler contre l'antisémitisme, eh bien, sont bien silencieux aujourd'hui par rapport à leur état fasciste. Et il serait bien indiqué qu'ils se mobilisent aussi, tous, en termes de population et pas en termes de représentants ou d'organisations, et qu'ils descendent tous dans la rue, voilà, pour dire stop au génocide de l'État israélien, ça serait une bonne mesure aussi pour arrêter l'antisémitisme. Ouais. Belle conclusion, voilà, donc, je trouve. le coup de gueule sur Israël, on n'en finit pas de se dire mais comment c'est possible qu'on soit aussi passif et aussi complice. Tout le monde est fou sur les réseaux sociaux. Tout le monde est fou. Je regardais un toubib de MSF qui nous raconte les snipers. Qui s'amuse à flinguer des gosses, là dernièrement, 5 gosses sont sortis de l'hôpital, ils rentraient chez eux et des snipers ont fait un carton comme ils ont l'habitude de le faire en Cisjordanie. Là aussi dans le silence le plus total, et coupable des complices et des capots de cet état fasciste, et notamment on le sait aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'anesthésie. Et on a maintenant des images, parce que bien sûr Israël interdit la présence de journalistes à Gaza. Oui, bah elle en a tué 80 déjà. Oui. Comment ? Elle en a tué 80. Et bien sûr, les snipers se sont empressés de tuer tous les journalistes possibles repérés. Ça, c'est l'arme de base d'un État fasciste, et même, bien sûr, génocidaire aujourd'hui. Et voilà, donc on a des apologies aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la part des militaires israéliens. On a l'apologie pour la tuerie systématique des enfants, des femmes. On a des rires. En fait, on a exactement les mêmes choses que je lisais
quand je lisais pour écrire Devenir un dieu, quand je me suis tapé des centaines de bouquins sur les génocides des juifs et que je voyais les descriptions d'ailleurs d'Ukrainiens, hein, parce que beaucoup d'auxiliaires des nazis étaient ukrainiens et ils étaient particulièrement actifs dans le génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils s'amusaient dans leurs descriptions, ils riaient dans l'éventration des femmes enceintes, ils riaient dans le fait de balancer des gosses en l'air et de les tirer au jugé comme font des chasseurs. Et les mêmes choses ont été retrouvées du côté des Serbes quand ils ont tenté d'exterminer les Bosniaques musulmans dans les années 90. On retrouve ça dans tous les processus génocidaires. Et on le retrouve d'ailleurs en ce moment avec les militaires de l'armée israélienne qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et qui n'hésitent pas à se mettre en scène dans des exactions sur les populations civiles de Gaza. Et on peut pas dire que ce soit des actes isolés, parce qu'à partir du moment c'est un processus. Oui. Non seulement c'est un processus, mais comment dire, on peut. Non, mais c'est partagé. Oui, tu as raison. Ouais. C'est partagé et l'inaction du gouvernement de Netanyahou sur ces soldats-là prouve qu'ils sont complices, parce que sinon ils iraient en taule tout de suite. Et donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas invoquer, oui, mais il n'y a que quelques soldats qui font ça, puisqu'ils le font, ils s'étalent, ils se vautrent dans le sang, dans la torture, dans le génocide, dans l'impunité totale. Mmh. Il y a bien une complicité d'État systématique, et on le voit avec I-24, bien sûr, où les appels au bombardement, à la tuerie de masse, en fait, à l'extermination pure et simple de tous les habitants de Gaza, et comme le disait la bonne femme, là, sur la bande qu'on a écouté, au fait que les Israéliens vont coloniser une fois de plus Gaza. Voilà, c'est un appel, et on le sait, le sionisme de ce, non pas du partage des deux États, mais le sionisme du grand Israël, est dans la tête, bien sûr, on le sait maintenant, de tout l'Irgun depuis le départ, et de Netanyahou qui est l'enfant de l'Irgun et de toutes les formations fascistes israéliennes depuis 1948. Mais aujourd'hui, ça se banalise. Et ça, c'est quand même assez nouveau que l'on puisse avoir ces bandes son aussi banalisées. Alors très vite, parce que c'est la fin de cette émission, je vais juste citer Palu qui a réagi à plusieurs reprises depuis qu'on a abordé ces questions du traitement des guerres, hein, qu'il s'agisse de celles menées actuellement en Ukraine par la Russie ou encore de celles sur le territoire palestinien par Israël. Alors donc Palu nous dit sur LCI, autre chaîne du coup d'information en continu, propriété du groupe TF1, si je ne m'abuse, il n'a pas changé. Des militaires à la retraite cassent quand même pas mal de sucre sur les actes des militaires israéliens, en relevant notamment l'inefficacité à éliminer le Hamas, retrouver les otages, ou encore il relève la disproportion des bombardements. Bon, bah, écoute, c'est tout à l'honneur du traitement de l'information de LCI. Après, il nous dit, alors là c'est plutôt par rapport à ton développement autour du traitement de la guerre en Ukraine, ce sont les mêmes qui sont pro-ukrainiens et donc anti-Poutine, donc ça atténue à mon sens, nous dit-il, l'idée exprimée par Patrick d'une inéquité, mais ce sont des militaires et des journalistes sur les terrains, pas des politiques. Et par ailleurs, LCI recrute des Suisses, des Belges et des Anglo-Français. C'est peut-être pour ça que le traitement est un peu plus mesuré. Et enfin, on va conclure avec ça. Enfin, on va relever. Enfin, tu vas pouvoir évidemment répondre, Patrick. Pour moi, le conflit russo-ukrainien est plus important que celui palestino-israélien, au moins pour les Européens. Je ferai remarquer ici que l'importance est donnée à cette guerre plutôt qu'à l'autre. La Russie mène une guerre hybride contre la France dans les réseaux sociaux. C'est juste, mais on ne parle pas aussi des méthodes d'intoxication de la France vis-à-vis des autres pays, avec les mêmes techniques, hein, de bots et de manipulation des opinions. J'espère qu'un jour, William, dans son émission, donc ça c'est pour Will, évoquera cette question de la guerre informatique, troll, IA conditionné, etc., etc. Merci Palu pour ces remarques. Oui, bon, après, là,
on peut affiner sur des points de détail. Ouais. Là, on relève, nous, juste un processus génocidaire qui est accablant, alors que dans la logique de Lepage, tout le discours de sanctification d'Israël, de protection d'Israël, le fait qu'on continue à vendre des armes, alors qu'on sait que chaque main qui est portée sur un obus signifie des gosses éventrés qui perdent des membres, puisque ce sont les populations civiles, donc c'est un peuple qu'on extermine. Et ça se fait, voilà, aujourd'hui en France, dans les départements français, il y a des entreprises qui produisent des armes qui vont être données à Israël. Et c'est ça le cœur du phénomène. On participe à un génocide, comme la France a participé au génocide des Bosniaques, parce que Mitterrand était pro-serbe, parce qu'il n'avait pas supporté le comportement des Croates qui étaient pro-nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le vieux continue à avoir ses schémas à la con de la guerre. Et de la même façon, quelles que soient les excuses de Macron au Rwanda, la France, avec l'opération turquoise, a neutralisé une intervention humanitaire mondiale et a pris en charge pour masquer la formation des militaires Hutus par nos armements et nos cadres militaires. Et on a envoyé des légionnaires pour faire du maintien de la paix en 94 au Rwanda. Mais on a totalement participé au génocide, à propos duquel je sais pas quelle connerie était sortie par un diplomate français pour dire que on était responsable mais pas coupable, mais on marche complètement sur la tête. Donc la France, effectivement, c'est ça l'enjeu et la conclusion du truc, c'est que on a trois génocides sur le dos depuis les années 90, trois génocides, et donc on interroge une fois de plus ce que veut dire vivre en démocratie quand on laisse dans le silence, une fois de plus, dans la participation active à travers les armements, d'envoyer même nos armées à l'étranger, etc. Voilà, posons la question, c'est quoi une démocratie qui fonctionne comme ça ? Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Patrick, merci à celles et ceux qui nous ont écoutés, merci à celles et ceux qui ont participé sur le chat. Alors, je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous donner le numéro de téléphone, mais je vais vous le rappeler puisque l'antenne de William, elle aussi, est bien entendu ouverte. 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. Cyberculture, c'est dans quelques minutes, le 210e numéro. Vous n'êtes pas sans savoir que vendredi prochain, nous serons le 1er mars et que chaque premier vendredi du mois, Cause Commune, l'association Libre à Toi, vous ouvre les portes de ses locaux à l'occasion d'un apéro. Toute l'équipe, ou une grande partie en tout cas, sera présente, et notamment pour vous proposer le second numéro de cette émission qu'on produira une fois par mois, les premiers vendredis entre 20h et 21h. On l'a nommé comme un vendredi, et ce mois-ci, le mois dernier, c'était Jérôme Sorel qui s'y était collé. Jérôme Sorel que vous retrouvez chaque lundi dans Rayon Libre à partir de 14h. C'est Isabelle Carrère qui sera à la manœuvre avec une team Girl Only, puisque vous pourrez retrouver à l'occasion de cette émission Marianne Maître qui nous propose Encyclie. Vous retrouverez Eugénie Barbeza qui nous propose Liberté sur parole. Vous retrouverez Karine Bloch qui vous propose une fois par mois la semaine prochaine Vivons Sport. On retrouvera également Corinne Lecomte pour Accord au corps notamment, mais Corinne produit également d'autres émissions de type plutôt hors série et reportage, et je crois que je n'ai oublié personne. Je vais quand même aller voir sur le chat. Ah oui, et pardon, on aura aussi le plaisir d'entendre en direct Fabiola Badoy qui vous propose depuis cette nouvelle saison le rendez-vous des formes utiles, ces conversations sur l'art que vous êtes beaucoup à apprécier. Donc Patrick, c'est la fin de cette émission, la 32 c'est la prochaine, et d'ailleurs je crois qu'on tu seras toi aussi présent
à cet apéro. Effectivement, donc je vous rappelle, hein, nos locaux, c'est le 22 rue Bernard Dimet, c'est à Paris, c'est dans le 18e, c'est au métro Porte de Saint-Ouen. Toutes les infos utiles sont évidemment sur le site de Radio Cause Commune, causecommune.fm, et on espère vous y rencontrer nombreux et nombreuses. Pour l'heure, on se quitte avec Vie de merde, c'est Alcosynthique. Patrick, on te retrouve la semaine prochaine. Et William, c'est dans quelques instants. Ciao. Ciao. Trop mauvais pour tes reins. Pas de ride de coach.